Hey, et donc bonjour à tous et à tous, c'est Zikaron, et aujourd'hui on tourne cette vidéo pour vous montrer ou expliquer, parce que dans la dernière vidéo sur comment faire un tuto sans une outro sans logiciel, je n'ai pas précisé comment mettre les vidéos, donc je vais le faire maintenant parce que le démoniaque 099 fake me l'a dit. Donc voilà, je suis dans ce petit cadre. Donc bah écoute, je vais te montrer maintenant parce que j'ai dit que je te le ferai. Bah écoute, c'est parti. Donc mon logiciel que j'utilise, c'est Camtasia Studio, et c'est un bon logiciel de montage, enfin surtout pour la base des bases, c'est celui à utiliser. J'ai Sony Vegas Pro, mais j'utilise pas parce que j'ai pas appris en fait à l'utiliser, mais de toute façon je l'utiliserai un jour. Du coup, dès que t'as lancé ton logiciel de montage, tu vas chercher tes dossiers. Donc moi ça c'est mon outro, la nouvelle plutôt, mais et les deux vidéos que tu veux rentrer dans les cadres. Alors hop, tu mets ton outro enfin, donc c'est comme si une image que la mettre illimitée. Regarde, je montrerai. Il n'y a pas de musique, donc ça c'est un attaque, je vais te montrer après comment mettre de la musique. Je prends les mots. Voilà, donc ça, c'est l'outro. Après, pour quitter les vidéos, c'est tout simple, tu les prends et tu les glisses. Donc c'est mieux que tu prennes, genre tu la coupes en un peu comme ça en deux, parce que ça fait... sinon ça va montrer le début de la vidéo. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel a planté. Ah, c'est la joie. Qu'est-ce qui se passe? Allô? D'accord. Excusez-moi, ce n'était pas prévu. Hop là. Donc je raccourcis. Hop, hop, hop. C'est bon, j'ai grandi. Oups, pardon. Voilà. Donc, une fois que tu as ta vidéo, donc tu la glisses, tu la mets au même moment. Voilà, donc tu vois ici elles sont pareilles, si je les déplace et tout, enfin voilà, regarde, tu vas se dire qu'elles sont pareilles, elles commencent au même moment, elles finissent au même moment. Du coup, faut pas qu'on entende le son de ta vidéo, peut-être tu peux le faire, si t'as envie de le faire écouter, tu les fais écouter. Moi, donc du coup, tu vas dans audio, tu baisses le son, tu mets à 0. Après, tu vois ici, là, il y a l'image, et là, la vidéo, elle se met par-dessus, du coup, il n'y a pas plus dur, plus simple que ça, tu rapetis la vidéo. Voilà. Donc ça, comme ça. Voilà, comme ça. Tu la rapetis, tu essaies de la rentrer dans les cadres. Et voilà, ça rend parfaitement. Du coup, là, ça va donner ça. Voilà. Un truc assez sympa. Du coup, tu prends la deuxième vidéo, tu la poses au-dessus. Comme la première, tu mets au milieu, tu la rapetis ici. Et tu la fous. Faut que ça commence au même moment. Donc, après t'agrandis au maximum pour bien voir. Et hop, comme la première, bah tu rapetis. Voilà. Je sais pas si j'ai bien le niveau. C'est pas trop grave si tu mets pas. Attends, je vous en veux. Ouais, donc, normalement, ça va donner ça. Voilà, t'as vu. Voilà, c'est pas vraiment compliqué. Après, faut mettre une musique de fond. Donc alors je vais chercher. Bureau, musique, playlist, normalement la manuelle musique que j'utilise c'est Runaway. Hop. Oui, c'est vrai, c'est pas la bonne. C'est là je crois que voilà. Hop. Donc tu la prends, tu la mets donc au même niveau. Après l'audio tu le baisses un peu, hein. Tu la baisses quand même un peu. Et après, moi je trouve qu'il y a un truc qui est assez sympa, c'est tu mets fade in, donc c'est à dire ça va commencer, ça va monter, et puis je fais fade out, du coup voilà, donc la musique aura une sera au maximum, derrière je vais te montrer, tu vas voir, écoute. Voilà, dans 2 minutes, du coup moi je baisse un peu quand même, c'est fort. Et voilà, du coup c'est fini, t'as rentré tes vidéos dans le cadre. Et bah y a pas rien de plus encore plus simple, tu fais du coup après t'as cantaté à toutes tes vidéos, du coup t'as mis ta vidéo, t'as mis ça à la fin. Tu peux aussi incruster un texte avec call out. Tu mets donc t'appuies sur la flèche, mais enfin, t'appuies sur la flèche ici, tu fais texte. Voilà, donc après tu agrandis, tu écris comme tu veux. Moi je suis supprimé. Ah oui, attends, juste avant de le supprimer. Quand tu mets un texte, il y a ici là deux trucs bleus. C'est-à-dire que ça commence. C'est-à-dire ça va. Attends, je te montre parce que je sais pas expliquer, je crois que c'est bien. J'écris un truc pourquoi.
Oh, j'ai le seul. Attends. Voilà. Donc, je suis fatigué. Tu mets ça. Tu prends... faut prendre un truc beaucoup plus gros. Tu vas prendre ça, la disco. Hop. Tu vas l'agrandir un max. Toujours ça comme ta tête, ça bug. Wow, j'ai déplacé carrément le dernier plan de coup. Toi, t'es où? T'es là. Eh, hey, mais... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, du coup. Voilà, c'est bon. Il est là. Alors, maintenant, ce que tu fais, c'est que... Bah, je te montrerai à quoi ça ressemble. Bon, je sais pas que ça lag. Ça rame, pardon. Tu vois, ça apparaît. Donc, moi, c'est... Si t'as pas envie que ça apparaisse, bah, tu mets pas. Hein. Tu mets à zéro, et du coup, ça fera tout de suite ça. Attends, je fais un peu de truc. Voilà, tu vois, c'est direct. Donc voilà, une fois que... Donc ça, c'est on repart du tuto. C'était sur Camtasia. Tu sais bien que si tu fais comme ça, file et save project, as et tout, tu sais, après, tu sais très bien que pour mettre sur YouTube, ça va pas marcher, puisque le format de la vidéo sera pas... YouTube le prend pas en compte. Du coup, la méthode, c'est que donc, tu vas toujours dans file, tu vas dans Production Char, tu prends, donc ça a une fenêtre, tu prends tout en bas custom production, tu fais suivant. Bon, après il y a des trucs à décocher, je pense. Donc si le format de la vidéo n'est pas si le format n'est pas au, enfin, faut, tu peux recadrer le format, quoi. Bon, dis-moi. Après tu mets un nom et puis après tu fais terminer et ça va te mettre le montage. Alors un exemple, enfin, ce que je dois te dire, c'est ici tu dois vraiment décocher play vidéo after production, parce que comme ça m'est arrivé dans les let's play de Minecraft story mode, à un moment j'ai dû couper le rec parce qu'il y avait mon autre vidéo que j'étais en train de monter, le montage s'est terminé et la vidéo, bah, ça s'est empêché. Donc voilà. Et voilà le démoniaque, j'espère que j'aurai répondu à ta question, j'espère que aussi ça t'aura aidé vraiment. Et si t'as toujours pas compris ce que je suppose pas vraiment, tu peux toujours m'envoyer encore des commentaires et je te répondrai. J'essaie d'être actif le plus que, enfin, on essaie d'être le plus actif possible sur ma chaîne. Et voilà, donc j'ai rien à dire, et moi je vous laisse, salut.